Forum de Paris sur la paix s'ouvre ce 11 novembre 2019 à Paris en France. À l'initiative du président Macron, cette rencontre accueille plusieurs chefs d'État africains, parmi lesquels le président Paul Biya. Engagé dans une dynamique de paix et de réconciliation nationale, le président Paul Biya s'associe avec ses pairs pour l'éradication des périls géopolitiques qui montent en puissance. La participation du Cameroun au Forum pour la paix sera l'occasion pour les autorités camerounaises, mais aussi les acteurs de la société civile, d'examiner avec les autres experts mondiaux ces défis et d'identifier les solutions pratiques, parce que c'est effectivement l'objectif exprimé par le forum d'examiner en profondeur les défis à la paix. Avec la tenue d'un grand dialogue national inclusif en octobre 2019, le Cameroun a amorcé un processus de réconciliation nationale après plusieurs années de lutte armée. Parmi les propositions de résolution issues de ce dialogue, l'on note par exemple le retrait des troupes armées dans certaines régions en crise. Selon les spécialistes, cette action pourrait contribuer à reconstruire la confiance nationale. Après l'ouverture du grand dialogue national, il y a, et on l'a constaté, un véritable réchauffement des rapports entre le Cameroun et Paris. Le Cameroun est véritablement dans une stratégie qui vise notamment à sortir de l'isolement international dans lequel il s'enfonçait, avec notamment les accusations permanentes des puissances étrangères sur la question des droits de l'homme, sur la manière avec laquelle cette crise anglophone est gérée. Donc on constate qu'il y a un réchauffement des rapports entre le Cameroun et la France. On constate qu'il y a un Cameroun qui manifeste une réelle volonté de revenir sur la scène internationale. Au-delà des questions de paix et de sécurité, le Forum de Paris sur la paix est également un lieu de dialogue et de coopération autour des solutions de gouvernance mondiale. C'est aussi un espace de networking, de rencontres bilatérales et de médiation entre les différents participants.